Je vous invite à noter. Parce que les bails pour nous connaître. Nous t'ai dit dans l'émission matin, et Guerri Henri, j'ai oublié ça. Il t'a invité ici avec Jean-Ismaël Valestin, l'équipe de Boucanté de la Parole. Il t'a dit dans l'émission matin, que nous t'ai dit déjà dans Radio Signal que la vie du président Jovenel Moïse est en danger. Que le président Jovenel Moïse est en danger. Parce que comme tu nègres qui sorti dans la province, qui vient là dans la province, choisi par le président Joseph Michel Martelly, que classe bourgeoisie, donc rapatrié. Donc, il y a un peu Martelly, le président Joseph Michel Martelly, qui te voit très mal. Et jusqu'à présent, je dis que ce petit nègre, ça, tête zo, qui cherche qu'on carre, qui sorti dans la province, que le président Martelly te mette main sous lui, pour dire que c'est lui qui sera donc le prochain président de la République d'Haïti. Jusqu'à présent d'ailleurs. Eh bien, madame, monsieur, c'est quoi la situation? Tout ça nous est passé dans le pays n'est pas innocent. Tout ça nous est qui peut passer, qui a passé dans le pouvoir, Jovenel Moïse là, il n'est pas innocent et le pape jamais innocent. Il y a un hasard dans ce qu'a fait dans le pays. Et nous l'avons bien dit à l'émission Matin Débat. Je dis, hein, Jovenel Moïse, comme président de la République, a en fait une certaine redevance, madame, monsieur, envers cette classe économique. Et ceci, c'est tout à fait normal. Si l'on mange l'argent Chango, faut payer Chango. Ceux-là qui avaient investi dans la campagne du président Jovenel Moïse, appartenant à cette classe économique, madame, monsieur, bien là-dedans qui est très frustré, je dis, hein, Gladao qui est très déçu, et Gladao tout qui décide que Jovenel Moïse va faire 5 ans. C'est ça qui a passé dans le pays là. Il y a deux bagages qui arrivent là, il faut nous faire très attention. Ou bien Jovenel Moïse, nous avons assassiné le pouvoir, ou bien le président Jovenel Moïse, yo empoisonné pendant le pouvoir, ou bien il y a une pression qui fait pour quitter le pouvoir. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Parce que il y a des frustrés dans le secteur économique. Hein? Parce que le président Jovenel Moïse voulait apporter certains changements et décider avec sa fougue, quel que soit Jean-Saïa Fokli, pour des changements dans le pays. Et ceci, changement qui prend intérêt certains secteurs donc de la classe économique, madame, monsieur. Notez pour moi, ce lundi 16 juillet, à l'émission Matin Débat, ça que m'baldine qu'on y a là. Il y a 4 contrats qui étaient passés sous la présidence du président Jocelyn Brivert. Comment bien? Jocelyn Brivert te baille 4 contrats à 4 secteurs clés dans le pays. 4 secteurs faisant partie du secteur des affaires, le secteur économique. Et le président Jovenel Moïse arrivé au pouvoir, il classe une question que la combatte 4 contrats ça, la combatte 4 secteurs ça. Et bien, mais toute bataille qui vient là, dans ça qui vient pas avec Jovenel Moïse comme président de la République. Même pensez que Gendele, on est goûté président de la République. Mis à part toute question de protocole. Mis à part toute question. Et il y a un rapport avec une certaine retenue comparé et un rapport avec le poste de président que vous occupez. Mais pour la grive, il faut pas éviter la nation. Hein? Tout problème Jovenel Moïse qui est là comme président de la République, parce que justement, il voulait que lui-même c'est le président et que c'est lui-même qui vous mener destiné pays. Eh bien, tout problème que est là comme président de la République, c'est que il y a des contrats que le gouvernement l'a redit à que le retirer dans des hommes d'affaires. Et que, qui était déjà signé, adopté et avalisé par le président Jocelyn Brivert. Contrat numéro 1. Madame, monsieur, regardez les notes. Mon crayon, Maquille. Vous êtes à l'émission Matin Débat. Vérité assez là, vous le parlez. Et cela l'a parlé, et cela l'a pas habitué à parler. Contrat numéro 1.
bon contrat qui a rapport avec question frontière. Et je dis à liberté ou à gagner sous frontière là. Je dis, hein, question contre bonne quoi, que jusqu'à présent, je voulais Moïse pour être capable de contrôler dans le pays, c'est à partir de ce contrat. Le contrat, ça a monté 1 milliard 100 millions dollars américains sous plusieurs années. Jovenel Moïse décide de couper le contrat ça. Même qui n'est qui dans le secteur privé, qui a fait l'argent ça, qui parle d'accord avec Jovenel Moïse. C'est le contrat numéro 1. 1 milliard 100 millions dollars américains. Signé par le président Jovenel Moïse. Eh bien, Jovenel Moïse vini, il coupe le contrat ça. Il dit, bah, il y a sa pièce. Et que l'agence n'est pas capable de gagoter. Donc, sous pays a pendant des années. Contrat numéro 2. Contrat ça, il montait 1 milliard 900 millions de dollars américains. Qui contrat lui d'après nous-mêmes? Contrat qui passe sous gouvernement privé. Pour repartir dans le secteur privé, contrôlé par eux pendant 27 ans. On nous connaît, oui. Ici, on a maté des balles. Nous disons, bagarre, nous avons pensé que c'est vous monté. Comme si. Pas comme ça. 1 milliard 900 millions de dollars sous 27 ans. Ils ont parti dans le secteur privé, imposé à privé, que le signé. Mes amis, on compte un dossier de si grande importance. Combien de feuilles nous pensons contre ça? Contre deux feuilles, oui. Mes amis, deux feuilles papier. Deux feuilles papier. Qui engageait l'État pour 27 ans pour on partir dans le secteur privé avec contrôle douanier. Et la donne, monsieur, exigeait pour 8% de revenus douaniers, vient dans poche, la donne. Monsieur, exigeait pour 8% de tout revenu douanier qui vient dans le pays, vient dans poche. Contre à monter 1 milliard 900 millions de dollars. Jovenel Moïse, coupez ça! Madame, monsieur, vous êtes à l'émission, madame Débat. Jovenel Moïse, coupez ça. Contrat numéro 3. Dossier import. T'es qu'on contrat dans import là. Monté à 289 millions de dollars américains. Qui passait sous le président Jocelyn Brivé. Jovenel dit pas ça. Là, il fait une évaluation. Il voit que c'est 130 millions de dollars. Contrat a dû coûter. Et puis là, regardez, il voit que le contrat a coûté 289 millions de dollars américains pour importe là. Jovenel Moïse, campé par ça. Il dit, ben, ça pièce. Mais une situation que, petit nègre qui sortit dans le nord-ouest là, n'est pas de père. Mais une situation, petit nègre qui sortit dans le nord-est là, hier, je dis là, avec le secteur des affaires, madame, monsieur, dans le pays d'Haïti. Quatrième contrat. C'est question courant. Jovenel Moïse revise, remette tout contrat ça en cause sous table. Et puis il dit qu'il a fait courant dans le pays d'Haïti. Il n'est pas capable de un secteur seulement. Il ouvert dans ce courant. Il y a un bel d'offre qui fait, il y a un très combat qui besoin. Et bien tout nègre là fâché ou vexé. Parce que courant, mais si vous avez vendu à 40 centimes, Jovenel Moïse a une possibilité là pour vendre courant à 10 centimes. Madame, monsieur, mais 4 contrats. L'opre ensemble de comme ça, on lui fait en total, ils ont un jeu sous 4 milliards 800 millions de dollars. Ok, mais ça gagne là comme bataille. Moi, c'est que l'important pour le pays à connaître. Mais ça qui gagne là comme bataille, mes batailles qui gagne là. Mes batailles que Jovenel Moïse y est là dedans aujourd'hui. Comme président de la République. Maintenant, qui bataille que l'y est là? Et nous te dit déjà dans l'émission à tes débats. Est-ce que la privée gagne bataille ça? Est-ce que qu'on y a secteur privé à privée gagne raison sous le président Jovenel Moïse? Madame, monsieur, c'est quoi le plan de ce secteur? De cette partie du secteur des affaires? Madame, monsieur, comprenez également que dans le secteur des affaires, il y a ce qu'on appelle les conservateurs. Il y a ce qu'on appelle les progressistes également. N'est-ce qui c'est conservateur dans le secteur économique, là, il va gagner pour avec le pays. Il est seulement là pour question de l'argent. C'est là qu'on appelle les progressistes.